Alors, pour les mises en bouche, on va être sur un gazpacho de melon. Dessus, un peu de reine des prés séchée. Et ensuite, la tartinette avec une crème d'artichaut avec un peu de fèves de tonka, les œufs de truffe et la fleur d'ail. On commence avec la royale de foie gras, en dessous la gelée d'algues, un petit peu de poudre d'épicéa séchée et quelques lamelles de réfort. D'accord. On continue avec la tomate ancienne assaisonnée avec un petit peu de romarin, la crème montée avec un petit peu de rhum et du miella de chêne sur le dessus. Tu veux annoncer ? Oui. Oui ? Donc vous avez la fine percherone accompagnée d'oignons nouveaux, de fèves de cacao, de l'ivèche, donc forme de céleri sauvage. Vous avez par-dessus du fenouil et tout autour, vous avez donc une émulsion de bouillon de bœuf. Vous avez donc une raviole et en dessous de cette raviole, vous avez un jaune d'œuf, de l'ail nouveau au garum. Vous avez de la noix. Vous avez également du citron jaune du Mexique confit. Tout autour, vous avez la confiture de lait de chèvre. Vous avez donc des poireaux, des blancs de poireaux de 12 heures, avec assaisonné donc de tanaisie. Et en dessous, vous avez le jus réduit des vers de poireaux. On continue avec le gigot d'agneau, donc l'agneau de Sologne, qui est élevé ici à Danzé. On va être sur un gigot cuit pendant 12 heures, avec un peu de mélilo, qui est une plante sauvage. Les carottes assaisonnées avec un petit peu de poivre noir fermenté. Les cerises merises confites au vinaigre. Et après, le jus de l'agneau bien réduit. Vous avez donc une glace au miel de fleurs de carottes et un praliné de graines de lin. On continue avec la rhubarbe confite, un petit peu de menthe bergamote sur le dessus. En dessous, un biscuit à la crème d'amande et fleurs d'hibiscus blanc. Et sur le côté, en deuxième temps, vous avez l'abricot poché dans un sirop avec un peu d'épices. Et le cappuccino sur le dessus à la menthe bergamote. Après ce repas, nous avons fait super. Vous êtes pas sur la terrasse, là, d'ailleurs, avec cette porte ouverte. Non, ça fait plaisir de vous voir. Ça nous manquait, on devait venir un peu plus tôt. Qui m'a dit que vous n'avez pas trop compris les poireaux? Non, c'est pas qu'on n'a pas aimé, c'est simplement que poireaux, par rapport à tout le reste, ça. Il y a des gens qui retombent un peu. C'est très tranché. Ouais. Et après, tu repars avec le gigot, là, le jus d'agneau, c'était magnifique. Par contre, le jus de poireaux était super. Oui, c'est sans plus d'accompagnement. Ouais.